Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Mojo de Fermine Vernet et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la fin de matinée et aujourd'hui fauchage. Donc aujourd'hui on va tester le nouveau combiné de fauche que j'ai acheté, que je ne sais pas si je vous avais montré. Je ne pense pas l'avoir montré. Donc faucheuse qu'une. La partie est en full qu'une, donc on s'en doute. Enfin, full qu'une, pour les foins en tout cas. Hop. Pour les foins en tout cas. Moi ce qui me fait rire, c'est que la faucheuse fait énorme sur le tracteur. Mais on va aussi, hein, elle est énorme. C'est sur un vieux 6000, il me semble que je l'ai vu. Elle faisait à peu près cette taille-là. Donc elle est à l'échelle. Puis la faucheuse arrière aussi, je pense qu'elle est à l'échelle. Enfin bon, en tout cas, ça fait un combiné de 9 mètres, il me semble. Faucheuse. Yep. Ouais, 9m9, ce qui est plus grand que la Lily et plus grand que la Pottinger. Hop, et donc on va faucher le pré que j'ai fait exprès. On va faucher au GPS. On n'est pas à plaindre. 9m8. Bon, si tu me dis ça, d'ailleurs 9m7, c'est possible. On va te mettre là. Hop là. Tac. Hop là, ah, l'animation est belle, en tout cas. Est-ce que les cardans tournent? Bah celui-là, oui, mais c'est normal, c'est le mode. Sinon, non, il tourne pas. Bon, c'est pas grave. On va prendre la miniature au deuxième passage. Hop. Ça marche pas le contrôle V, mince. Falloir que je m'embête. Ah, non. Le V indépendamment, mince. Et... Hop, I, screenshot mode, oui. On enlève le GPS impeccablement et c'est reparti. On va espérer que j'ai la faucheuse de sélectionner. Non. Oui. Non. Oui. C'est géré bizarrement. Hein, sur le... Ah mince. Bon, on va enlever le... Non, parce que tu vas mettre. Hop. Ah, elles sont longues à lever par contre, les faucheuses. Elles
Question. Contrôle V, parce que ça baisse pas les bonnes. Ça doit pas reconnaître la frontale, je sais pas pourquoi. Non, bon, ouais, au pire on fait CTRL V, ça me fait juste à faire manuellement là, faut que je savoure. Ça me permet de gagner du temps et de ne pas avoir à sélectionner faucheuse avant, faucheuse arrière, faucheuse avant, faucheuse arrière, ce qui serait assez chiant. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, je vais pas demander. Donc là ça va être fauche. Possiblement fanage. Non, faut que je fasse de l'herbe. Donc fauche et puis fauche. Il faudra peut-être que je fasse de l'ensilage d'herbe. À voir. Hop. Hop. On va CTRL V. Non, mais ça va être sûr. Ouais, je pense que je vais faner. Ah, mais non, je vais lancer. Ah, si, il faut que je fane. Pour. Non. J'ai oublié. Non, oui, il faut que je fasse du foin, donc il faut que je fane. J'ai pas le choix. Hop. Elles sont vraiment longues à lever celles-là. Ça fait combien de temps qu'on tourne? 8 minutes. Bon, ça va, on aura le temps de phoner et peut-être bien d'en aider. Il y aura juste le pressage qui sera pas en vidéo. Tac, tac, tac. Il y a beaucoup. J'espère qu'il y aura du rendement vu que j'ai le airtrag. Airtrag que j'ai modifié pour qu'il intègre le soja et le tournesol. Pour pouvoir avoir un rendement, parce que c'est. Je ne sais plus quand que j'ai.
que j'ai fait quoi, que bah hier tout bonnement j'ai mentionné du soja et le rendement, ils sont bah dans le champ 2, donc vous voyez l'attaque du champ 2, il fait de 3 hectares et des brouettes, j'ai fait que 2 trémies. Il me semble même pas 2 trémies, enfin 1000 litres au total, sachant que j'avais pulvé à fond. Donc là c'est bon, j'ai fait en sorte que ça soit un peu, c'est dans le R-Track, le blé il est modifié, il est à 1.8 de rendement, et j'ai mis à 1.2 le soja, et le tournesol à 1.3. Mais comme je sais pas que par rapport au quinto combien ça fait, enfin comment ils font, j'ai pas pu faire mieux. Et aussi pendant que je vais vous montrer l'agrandissement de champ que j'ai fait, vu que j'ai acheté le champ 4, non, 4 et 5, bon le 4 je l'avais déjà, j'ai relié les deux en une seule et même grande parcelle du blé. Ah non, c'est pas moi, mince. En une seule et même grande parcelle, voilà, cœur maïs qu'on va mieux voir sur la carte. Voilà tout là. Et si j'achète le champ 3, je les relirai. Et puis si j'achète le champ 6, je relirai tout cela. Quoique je préférerais faire le champ 2 avec le champ 6. Non, le 4, 5, 6. Ouais. Ça serait plus intelligent. Hop. La faneuse. Vous savez que j'ai bien pu. Ah, bah ça sert à rien de venir là, c'est aux vaches. J'ai tout déplacé aux vaches, tous les équipements de foin pour limiter les lags. Aux vaches, aux. C'est l'habitude que les vaches soient en extérieur et les moutons à l'intérieur. J'ai tout déplacé aux moutons pour limiter les lags du matériel, surtout que le foin c'est les DLC. Donc ça pourrait facilement créer des lags. Car les véhicules sont beaucoup plus détaillés que les véhicules de base, mieux animés, tout ça. Du coup, j'ai emmené ça là-bas. Hop, pop, 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 pop. Avec mon futur valet de ferme, hein. Enfin, faut que j'achète le 8 milliards avant. Je suis pas sûr de prendre celui que j'ai en mode. Faut que j'en trouve un comme celui-là qui se fasse pas trop laguer parce que. Enfin, lui il fait pas du tout laguer, il fait pas perdre de FPS, mais t'as eu l'autre, bah celui-là. Celui-là il en fait perdre. Par contre, le 9000, lui il en fait pas perdre, donc dès que. Dès qu'après j'ai un 8000, j'achète un 9000. J'achète un 9000R, ensuite j'achèterai un 9000RX, hein, je vais pas prendre un chenille dès le début. Ça risque de faire un peu tâche dans la ferme sinon. Parce que c'est bien beau d'avoir un 9000RX, mais après il faut avoir le matos qui soit entre guillemets adapté à lui. Non, toi, on va vous mettre à côté les faucheuses. Là non. Oh si, là si. Non si, non si, hop. Ça tape un peu. D'ailleurs, normalement pour cette vidéo j'ai un logiciel de montage, donc peut-être qu'il y aura eu une intro de montage, je ne sais pas. Si je fais, ouais, ça les déplie. Je ferai bien.
Et là, on va pas faire le risque de... Je fais un accéléré et au final, j'ai pas de logiciel de montage. Car c'est peut-être ce qui s'est produit pour l'épisode qui est pour vous sorti la semaine dernière. Je ne sais pas. La route. D'ailleurs, si le moteur de ce tracteur là fait un 8000 air, je suis preneur. Je jouerai tout le temps avec, surtout s'il a le même IC que lui. Et si l'intérieur est aussi réaliste. Parce que là, dans ce où je suis monté, c'est vraiment comme ça, donc. C'est parfait. Paf, paf, paf. Il lève pas haut par contre, hein, avec les équipements de foin. L3 points, il bouge. J'ai l'impression qu'il bouge le troisième point. Enfin, qu'il bouge tout seul, quoi. Pour réguler la hauteur. Aïe, 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 aïe. On va replier le tripoint avant, j'en aurais plus besoin. Enfin, normalement, j'en aurais plus besoin. Parce que... Ouais, non, j'en aurais plus besoin, vu que le... mètres 7, c'est censé être à 9 mètres, non? Enfin, aucune. Ah non, 8 mètres 7. Paf. Un peu plus. Paf. Parfait. Attends, on va même laisser une petite marge. Au cas où. Sur cette série, c'est pratique, ça vous permet de découvrir les DLC si jamais vous ne les avez pas. Bah tous, parce que moi je les ai, enfin je les ai tous, tout se fait par farming, je précise toujours. Hein. Par exemple les véhicules, non les classiques modernes, je les télécharge, je l'achèterai pas. Parce qu'il n'est pas fait par farming. Par contre, le DLC Grim, je l'achèterai peut-être. Parce que si les équipements qui... Enfin, les équipements annoncés, je le voudrais bien. C'est là. Ah bah, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en aider. Hein. On n'aura pas le temps d'en aider. Du coup, je presserai, j'en donnerai hors vidéo, hein, parce que. Ça n'a pas forcément d'utilité de voir du pressage et de l'endainage. Hein. L'endainage, c'est celui de base en cune. Puis la presse, c'est celle du DLC cune que vous avez déjà vu dans la vidéo, dans l'épisode 6. 6 ou 7, je sais plus. Un des deux, en tout cas. Bon pépé. Ça fait combien de temps? 19 minutes, enfin 20.
Ouais, donc je finis de faner et on s'arrêtera là. Je peux vous dire, je vais m'amuser en déni tout ça. Moi. Voilà, ça y est, il commence à peine. Ah, voilà. Il commence à peine de descendre de régime, qui remonte déjà. Il est pas très joli celui-là. Hein. Il est pas très logique. Hop. Il y a une zone de pas fauché. Mais que d'un côté, ça c'est pas très logique. J'ai la double faucheuse, mais bon. C'est pas très logique. Encore combien de passages? 3 je pense. Et encore un qui sera un peu vide. Non mince. Mais... Tac tac tac. Tiens, bah, ce que j'avais dit, hein, 3 passages dont un vide. Enfin, ça fait 4, mais du coup, tu le comptes pas comme un vrai passage. Tout, tout, tout. Je vérifie que ça enregistre. Oui, c'est bon, que je parle pas pendant 20 minutes dans le vide et que je dois tout recommencer. Ça m'énerve un peu quand ça fait ça. Et hop, dans la fameuse. On recule. C'est l'ombre de quoi ça? Ah oui, les boules sur les fils de fer. Enfin, sur les fils électriques. On les voit pas sur la map, ça? Non. Enfin, sur la map, sur la mini-map. Ils n'apparaissent pas. Hop hop hop, allez, dernier passage. Je pense qu'on va faire une quinzaine de ballots, pas plus. Hein. Enfin, dans tous les cas, je vous dirai combien j'avais fait de ballots à peu près. Bah déjà j'en suis à combien de ballots actuellement? Ballot 80. Donc sur ce, c'était Mojo des Fermes Univernées pour l'épisode 9 de La Ferme Latine. Et je dis ciao ciao pour de futurs épisodes.